Alors, je reprends le baron. Alors, merde. Alors, je disais tout simplement, on va voir, je décortique le mouvement. Alors, le mouvement, on a premier blocage, on a deuxième blocage. Après, on a un blocage là. Après, on a blocage comme ça, blocage comme ça. On a aussi un pour de l'extérieur pour aller bloquer de là comme ça ici et de là. Ou ici. Hein? Faut pas oublier. Et on a aussi là, bien monté là même pour aller ici, là aussi. Pour aller porter le coup de pied hein, en middle kick, high kick. Faut bien monter là, j'aime pour aller bien porter le coup. Alors, mais je ne vais pas vous apprendre la technique. Je vous apprends un petit peu la base. La base, on est là, hein. Donc ça veut dire en faisant ça, vous montez ça là, vous amenez ça derrière. Hein, il faut protéger ce coup là pour ne pas prendre un coup là. Et pour ça que je monte comme ça. Si l'autre vient, je vais me protéger pour éviter un crochet ou un middle ou un high kick. Alors, et comme je suis comme ça, si il envoie un machin, je pourrais aussi soit sortir ou prendre. Hein, ça va me permettre de tout de par là d'entrer. Alors, ou de là d'esquiver. Hein, alors, on reprend le mouvement. Alors, en combattant de gaucher. Je vous apprends une méthode très rapide en gaucher. Je rigole, il ne faut pas vous prendre au sérieux. Alors, pour un gaucher, on est comme ça. De là, on monte. On revient, ici. On va mettre le point ici en tant que gaucher. On ne va pas monter là. Mon premier coup, mais pourtant je ne me mets pas comme ça. Je me mets comme ça. Je vais prendre un vieux coup. Alors, pour comprendre, en tant que gaucher, pour un gaucher, la garde qui est appropriée, c'est comme ça. C'est la garde, la meilleure garde, c'est ça pour un gaucher. Quand tu es gaucher, tu combats comme ça, tu seras gêné pour aller faire des mouvements. Mais quand tu es comme ça, c'est plus facile pour monter, pour bloquer. C'est plus facile pour entrer. Et en tant que gaucher, pour porter un coup, comme ça, combo. Pour porter des coups puissants, frapper. Hein? Donc c'est... N'oubliez pas que vous n'êtes pas en droitier, vous êtes en gaucher. Et en gaucher, c'est plus facile pour monter. En étant là, il faut apprendre le bloc comme un piston. Vous savez bien, un piston, ça monte, ça descend. Donc de là, quand si quelqu'un vient, tap, là j'irai comme un piston, je redescends. Tap, tap, et ça va me permettre soit d'enchaîner, ou de pousser, frapper, ou de tirer. Alors, on reprend, en garde de gaucher, on monte un, comme un piston, deux, et trois, et quatre. De là, on va faire la technique que j'ai vue, on va se coiffer un petit peu. Ici, on passe derrière la nuque, on revient ici, là. Et on revient pour se protéger, là. Il faut que vous entendez pas. Si vous frappez simultanément, je passe et je frappe. Simultanément, je passe, je crois pour aller frapper. Et pas. De là, je vous apprends la deuxième technique qui est ça. De là, comme ça. Ici, tac, pas. Il faut que vous bouchiez. On va boucher le visage pour aller. Et si l'autre ne va pas écarter. Donc, tout ça, on fait ça avec simplicité. On se lave le visage. Là, on remonte, on se lave le visage. Là, on se lave le visage. On se lave le visage et on frappe. Je pars ici pour aller de là, je frappe, je tourne pour apporter un pour enchaîner. Pour la ta. Alors, le mouvement, c'est là, on est là pour bloquer. On va bloquer. Bloqué, on se lave le visage. On se lave le visage. On se lave le visage. Donc, alors, on y va. Savez-vous que lorsqu'on décortique, la technique donne ça. On monte, sur un marché, on pousse. Hein? On va pousser, c'est ça. Mais on va pousser. Et quand on met en bunker,
Ça veut dire que quelqu'un porte un coup de pied, on va simplement pousser. Et on va pousser. Si quelqu'un entre, on va pousser. Alors, on va le déséquilibrer. C'est quand il va porter un, par exemple, un middle kick, j'aurai plus qu'à pousser, à bloquer, à pousser. Et je bloque, je pousse. Et de là, je peux enchaîner avec un coup de genou. Alors, on est en gaucher.